Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Et oui, c'est l'été pour Jean-Luc Reichmann, donc voilà, il a sorti le nouveau décor. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait eu un problème, puisqu'ils avaient fait une photo, c'était il y a 2 semaines à peu près, et on pouvait les voir là. Donc ça voulait dire que quand il a envoyé la photo, eh bien ces lignes n'étaient pas éliminées, donc c'était un peu une gaffe qu'avait fait Jean-Luc Reichmann. Donc comme on peut voir, elle avait la même robe aujourd'hui que sur la photo, mais Jean-Luc Reichmann n'avait pas la même chemise, donc ça se trouve, ça va être demain, ou un truc comme ça. Donc elle est arrivée avec plein d'argent, son compagnon toujours en visio. Coup d'envoi la première question dans Koh-Lanta, les convocations aux différentes épreuves arrivent par une bouteille à la mer. Ensuite vous aviez le Marseillais, je sais pas, ils mettent pas le prénom, donc on va l'appeler le Marseillais. Alors, quelle œuvre de musique classique a été samplée dans Shut Down, le tube des Black Beans? C'était la Campanella de Liszt. Ensuite vous aviez Léa, et vous savez comment je le sais, parce que regardez, là c'est écrit. Le Marseillais, c'était pas écrit. Alors la question, qu'est-ce que la plateforme Squeaky a décidé de vendre d'occasion? C'était des sextoys. Eh ben dis donc, je te dis pas le plug anal d'occasion. Ensuite, vous aviez Loïc. Loïc est habillé en orange. Alors Loïc était venu avec sa famille en Terreco de Toulouse. Alors, qui est à l'origine de l'expression de 7 à 77 ans? Il est parti sur Sardou. Moi j'aurais dit Tintin, et c'était Tintin, bah oui, bah. Tintin, c'était assez connu. Donc voilà, il est passé à l'orange comme son t-shirt pour la maîtresse de midi. À quelle date eut lieu le jour historique surnommé le jour le plus long? Donc bien sûr, quand on voit la date 1940, c'était pas ça, donc c'était l'autre. Donc bon, comme bien sûr, Jérôme a répondu le 6 juin 44. Après, pour Marseille, à qui s'adressent les recettes de cuisine mises en ligne sous le nom Vous êtes cuit par des pompiers de la Nouvelle-Zélande? C'était ou Jean-Yves, je crois. Le Drian. Et Jean-Yves Le Drian, qu'est-ce qu'il est drôle. Ensuite, selon la théorie de la chaussure qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, qu'annonce le fait d'offrir des chaussures à votre chérie? Eh bien, c'était une malédiction. Pas du tout. C'était une malédiction. Donc voilà, donc parce que la TikTokeuse s'était fait virer, donc sur cette mauvaise réponse. Et bien, Léa est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris le Marseillais qui s'appelle Christophe en duel, qui est tombé sur une question tordue, qui a débuté sa carrière discographique en 1955 avec la chanson Obessi. Alors comme je dis toujours, en général, quand tu connais pas, tu prends toujours le truc qui paraît le plus improbable. Donc moi, je serais parti sur Annie Girardot, qui à la base n'est pas chanteuse. Et je l'aurais eu dans l'os, c'était Annie Fratellini, la clown. Voilà, donc bon, bah j'aurais été éliminé comme Christophe. Donc ensuite, Léa, Céline et Loïc se sont retrouvés pour le coup par coup. Dans quel domaine utiliser le mot batterie? La mauvaise réponse était la peinture. Et là, tout le monde a donné la bonne réponse. Dans quelle œuvre est-il question d'avion? La mauvaise réponse, c'est Le bruit et la fourrure, puisque c'est vrai que le dessin animé pour Colosso, c'était assez connu, et on a appris que c'est Jean-Luc Reichmann qui avait fait la voix. Ensuite, qui a dans son répertoire une chanson dont le titre comprend Madame ou Mademoiselle? Là, c'est la maîtresse Dominique qui s'est fait avoir, puisque la Madame Thatcher, eh bien, c'est pas le titre de la chanson, c'était Miss Maggie. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée à l'orange. Ensuite, quelle ville d'Europe est correctement associée au pays dont elle est la capitale? La mauvaise réponse était Bratislava, qui n'était pas en Slovénie, mais en Slovaquie. Donc sur cette mauvaise réponse, Monsieur Orange est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Léa en duel, qui est tombé sur une question pub. Bah oui, on va lancer la pub sans la question. Donc un peu de pub pour mon site de t-shirt, avec le t-shirt Je peux pas, j'ai piscine. Et comme on peut voir, ce sont les Beatles qui se baignent. Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub, et puis voilà la question: quel morceau de bœuf est aussi le point faible d'Achille? Bah, bien sûr, c'est assez connu, c'était Achille Macreuse. Bon, je déconne, c'était Achille Talon, c'était assez facile. Donc ensuite, Léa et Céline sont retrouvées pour le coup fatal. Non, non, non. Donc bon, il y a encore une personne qui m'a demandé d'où venait la musique. C'est la musique de la série Les Envahisseurs avec Roy Thinnes. Alors, avec quelle forme de rhume allergique rime le mot foin? Juin, pardon, j'aurais dit un juin, et ben non, c'était le foin. Non, je déconne, c'était facile. Ensuite, pour Léa, dans LOL qui ressort, qui porte une perruque, qui utilise un grand peigne et qui chante woub, bob, loup, bob. Donc elle est partie sur Leïla, je sais pas quoi, donc c'était Leïla Bekti, c'est vrai que c'est dur à dire. Quel mot désigne à la fois un diplôme scolaire et une navette entre deux rives d'un cours d'eau?
C'était pas idiot parce qu'elle a dit le baccalauréat, c'était il fallait juste dire le bac, parce que entre les deux rives d'eau, c'est pas le baccalauréat. Toujours pour elle. Quand deux personnes viennent de se marier, on dit qu'elles se sont dit oui. Elle a trouvé dans quel groupe font partie Nikki Sixx, Mike Mars, Tommy Lee et Vince Neil. C'était le groupe de l'ancien mari de. Comment s'appelait la blonde là d'Alerta Malibu, là, je sais plus, soit Pamela Anderson, c'était Mötley Crüe. Voilà, elle n'a pas trouvé. Alors, comme elle n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils lui mettent une question de bébé. Allez, c'est parti. D'après Cookie Dingler, es-tu une femme libérée? Tu sais, c'est facile, facile. Question de bébé. Pour Léa, quelle adaptation d'un roman d'Éric Maria Remarque a remporté l'Oscar 2023 du meilleur film international? Question super dure pour la pauvre Léa. Je ne sais pas ce que c'était, de bruit de fureur, je sais pas quoi. Comment appelle-t-on la partie extérieure comestible au nom du fromage? C'était la croque-route qu'elle a trouvée dans un film de 64, Kelly Rowe de BD enquête sur l'affaire des oranges bleues. Donc ça, c'était encore facile pour la maîtresse de midi, c'était Tintin et les oranges bleues. Avec quel chanteur aujourd'hui disparu, Marie J. Blige, partageait le titre. Ah, c'était avec Michael Jackson, la spécialité de la ville d'Apt dans le Vaucluse et le fric qu'on fit. Dans quel film d'animation Florence Foresti prête sa voix à une chatte obèse nommée Chloé? C'était comme des bêtes, elle n'a pas trouvé non plus. Mais franchement, elle a eu que des questions difficiles. Hein. Quel passage met en communication plusieurs pièces? C'était le couloir, elle n'a pas trouvé. Puis à la fin, alors il y a un truc assez rigolo. Quel quadragénaire a été rappelé en équipe nationale de foot de Suède? Donc c'était Zlatan, d'accord? Bon, sauf que je crois qu'il a eu un problème avec la question parce que Zlatan a annoncé la fin de sa carrière. Alors, bon, je vais vérifier ça, j'en reparlerai demain. Donc, bon, Léa est éliminée, c'était assez évident. Bon, voilà, comme d'habitude, la maîtresse de midi était fair-play par rapport au coup de maître. Alors, bon, aujourd'hui. Vous n'avez pas le chèque pour la recherche. Donc, bon, ça revient comme avant. Donc, allez, comment appelle-t-on une image qui trompe le cerveau et fausse son interprétation? Donc, bien sûr, c'était l'illusion d'optique. Après, vous avez la question de Naomi. 8 ans pour Naomi. Quel agrès de gymnastique mesure 5 mètres de long et 10 cm de large? C'était la poutre. C'est comme ça qu'on m'appelle. Ça va, je rigole. C'était le surnom d'un acteur dans une série sur un truc porno sur Canal+, je sais plus comment ça s'appelait. Ensuite, qui est l'initiative du concours télévisuel Votre plus beau marché? Tiens, j'en parlerai tout à l'heure dans une autre vidéo, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un problème avec Jean-Luc Reichmann. Donc c'est bien sûr, c'était Jean-Pierre Pernaut, question facile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Quel numéro de maillot ne sera plus jamais attribué dans toute la NBA? Alors, elle est partie sur un truc qui n'était pas idiot. C'est vrai que comme Kobe Bryant est décédé dans l'accident d'hélicoptère, on pouvait penser que son numéro avait été refusé. Mais comme elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle fait quand elle ne sait pas, elle dit toujours l'autre. Donc, elle est partie sur l'autre. On sentait que Jérôme ne savait pas. Et en fin de compte, c'était le numéro 6. Donc, il y a eu un coup d'arrêt pour la maîtresse de midi. Ensuite, qu'est-ce que la formule de Lorentz permet de calculer. Donc pareil, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit l'autre. Hein? Eh ben non, c'était le poids. Donc j'en parlerai aussi demain. Donc voilà, donc elle a gagné que 100 balles, ça lui fait 50 balles dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas. Ah si, là-haut, on peut voir une boule à facettes, j'en parlerai demain. Bon, sinon, elle a été éliminée. Elle a eu pas mal de coups d'arrêt. Et puis, comme vous voyez, donc aujourd'hui, il n'y avait pas de chèque à gagner, donc des questions plus difficiles. Et oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on peut se rendre compte de comment fonctionne le jeu, mais c'est pas grave. Mais je tiens à préciser un truc, c'est qu'à la base, tous les maîtres de midi ont de la culture. Bon, ils ne connaissent pas tout, c'est obligé, quoi. Mais le truc de Jean-Luc Reichmann et de la production, c'est d'essayer de les garder plus longtemps. Et pour les garder plus longtemps, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Des questions de bébé pour la maîtresse de midi, qui a des questions aussi, des fois, difficiles, mais on sent qu'elle a de la culture, mais bon, voilà. Allez, j'en parlerai, parce que j'ai repris l'écriture de mon livre. Peut-être que je le finirai. Ça serait bien si je pouvais le sortir pour septembre. Allez, à plus, bye.